sous vos applaudissements, Luc Léonby. Ça va bien. Installez-vous. Bonsoir Luc. Bonsoir. Aujourd'hui j'ai l'occasion de t'interviewer. Je me sens très petit devant tout ce que tu as déjà fait pour nous, pour la musique en général et pour tous les Guadeloupéens surtout qui vous adorent. Encore une fois, merci d'être avec nous de notre émission Cactus Z. C'est moi qui te remercie. Tu vas nous réchauffer avec ta voix. Tu vas nous parler de tout ça dans quelques instants. Ça va. Mais en attendant de prendre connaissance de tout ça, je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter et à apprécier la belle voix de Luc Léonby sur un morceau qui va nous interpréter. Il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt. Il n'y a pas de problème. On applaudit Luc Léonby, s'il vous plaît. Et on applaudit les danseuses qui vont m'accompagner. En position. Thank you.
applaudir les danseuses parce que c'est la première fois qu'on fait quand on lève. Ça, on peut applaudir, c'est bien. Merci encore une fois à toi, Luc. Dans un prochain temps, on aura à apprécier notre chorégraphie avec ces belles danseuses. Je vous remercie très sincèrement. Je me suis bien régalé à vous regarder danser à côté de Luc. Merci, à tout à l'heure. Bien, on revient avec Luc, notre invité d'honneur. À tout seigneur, à tout honneur. Merci pour ce beau morceau. Le titre, il n'est jamais trop tôt. Ah, c'est toujours ça, il n'est jamais trop tôt pour aller travailler, mais toujours trop tôt pour que le patron puisse te payer, c'est tout à fait normal, on voit ça tous les cours de la vie. Hein. Tu t'es inspiré des faits courants de la vie. Courants de la vie, ce qui se passe dans le monde, voilà, c'est toujours ça. Et comment tu as pu avoir cette inspiration pour écrire un tel morceau, il n'est jamais trop tôt, c'est la réalité ça. Mais c'est la réalité, je viens de te dire qu'on voit ça tout, chaque fois que je lève le matin. Tu vois la manière que tu te donnes, tu te casses pour aller travailler. Mm-hmm. Et quand il s'agit de te payer, le patron il a toujours des problèmes pour te payer. C'est trop gentil, ça te fait énormément. Hein. Ah oui, il y a beaucoup d'endroits maintenant, on voit ça dans Paris, il y a toutes les usines qui se ferment, tout. Ouais, voilà, c'est pour ça que c'est pour ça. Voilà, il n'est jamais trop tôt, et c'est un morceau à retrouver sur le nouvel album de... Voilà, le nouvel album. D'accord. Voilà. Tout à fait. Sur la sortie de cet album, Hop Tempo, il y a un musicien qui joue un rôle très très important, que tu avais invité, qui s'appelle Le Mignon, que je voudrais donc inviter sur le plateau. Ah bon? Il est là, alors? Le Mignon, s'il vous plaît. Il est là ce soir. Waouh. Vous m'avez fait la surprise ce soir. Ah, je le vois. Il faut l'applaudir énormément, c'est un bon collègue ça d'abord. Il joue dans l'étoile de mon alou, lui. Belle, belle s'applaudir. Apparemment, il fait la tête. Lui, il vole très 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 bien, il va vous parler énormément. Bonsoir Le Mignon. Oui, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Captif Z. Merci. Nous sommes avec un ami à trois, c'est Luc Léandri. Ouais. Qu'est-ce que tu sais de lui? Luc? Bonsoir à tout le monde déjà. Ben Luc, plein de choses, hein. Tu sais, Luc, je sais pas quoi dire, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est celui on s'appelle tous les jours, des fois 3-4 fois par jour. Il s'est jamais passé un jour qu'on s'appelle pas. Donc ça fait des années qu'on travaille ensemble, on partage plein de choses ensemble, même vie privée, des fois ça arrive comme tout le monde, qu'on a des petits problèmes, ben, on discute entre nous. On parle de plein de choses, même au niveau finance. Je connais tout lui, il connaît tout. C'est un ami, c'est un collègue, c'est un compagnon de travail. Non, qu'est-ce qu'il est en réalité pour toi? C'est mon siroir. C'est un siroir. Quand tu es à gauche, il est à gauche. Quand tu es à droite, il est à droite. C'est énorme. Je suis l'ombre de l'éclairage. Dans tout il va, tu es là. Je suis toujours là avec lui. Je me fais toujours rare, à part. Mais je suis toujours là. Tu es là comme musicien du groupe ou bien comme compagnon, comme alors, conseiller? Alors, je vais vous dire un truc qui est bien simple. Je connais même pas un si bémol. Je connais même pas un do, un ré. Je connais pas les notes. Mais par contre, j'ai ce qu'on appelle, enfin c'est lui qui me l'a dit, j'ai ce qu'on appelle l'oreille musicale. C'est-à-dire lorsqu'il prépare un album, donc deux fois, il vaut mieux avoir quatre oreilles qui l'idée. Alors des fois, il me fait écouter des trucs, je donne mon avis, et assez souvent, je dirais même à 90%, ça arrive toujours à ce qu'on ressort ensemble. Quoi. Ils sont toujours du positif. Entre la musique, qu'est-ce que vous partagez ensemble dans vos quotidiens? Ben la bouffe. Parce que Luc, c'est un bon mangeur, il adore manger. Et c'est un... Et je me permettrai aussi de dire, c'est un grand croyant comparativement à ce que les gens peuvent penser en écoutant la musique, mais Luc Léandri, c'est un grand croyant. Quand je vois par exemple vendredi, il a fait son petit pèlerinage. Donc si quelqu'un, je demanderai d'applaudir parce que il a bien pris. Alors, le Mignon, tu chantes aussi apparemment. Je ne sais pas si. Il n'y a qu'un qui pourra le dire. Alors, on va le vérifier, mesdames et messieurs, sur un morceau. Le morceau s'appelle Tigé Katigé. On va pouvoir apprécier ça tout de suite avec
avec le groupe Les Danseuses également. Amis des îles, s'il vous plaît, on va chanter ça ensemble, tigé qu'à tigé. On va vérifier si le mignon chante aussi bien. Alors, le mignon, tigé qu'à tigé. Musique, s'il vous plaît. Oui, j'y vais prier. C'est le cibouillon de moi. Armé. Monsieur. Envoie la purée. Nouveau système de maquille. Merci, le maquille. Bétesse, oui, aimez ça. Mesdemoiselles, vous aimez ça. Tout le monde a aimé ça. Wadina, oui, aimez ça. Omina, oui, aimez ça. Mesdemoiselles, vous aimez ça. Aïe, ton couteau, aimez ça. Tigé, tigé. C'est tigé, tigé. Les voies, bien chauffées. Aïe, tigé. Tigé, tigé. C'est si j'ai dit qu'à qui j'ai l'envoyé en cité. La demoiselle qui a moi pour ça, c'est madame qui a pas bien aimé ça. Mais moi je vous aime ça. Sauf que la joie dans ça, femme qui est mon cacoumé pour ça. Aïe, la demoiselle qui a moi pour ça, mesdemoiselles vous aime ça. Pour nous, ça y est, on dans ça. Tigé, qu'à tigé. C'est tigé, qu'à tigé, les vrais bien chauffés. Ah, c'est tigé, qu'à tigé, tigé, qu'à tigé. C'est tigé, qu'à tigé, les vrais bien cités. Nous offrir ce soir. Alors, c'est
Le groupe s'appelle Amédésie, c'est ça? À pied levé, GDEPS. Merci, GDEPS. Merci beaucoup, Jean-Claude. Parce que quand je l'ai appelé, il était présent. Et merci à vous, vous public, vous nous suivez toujours.